Salut les amis américains, les américains des amis d'américaines, des camions en tout genre, des gros camions qui fument de l'Amérique. On se retrouve pour la suite des aventures pour un nouveau succès Sim. Ce soir, ce sera Big Boy. Alors, le Big Boy, donc on va avoir trois cargaisons à convoyer comme la dernière fois. Et bien entendu, j'aime pas faire la route tout seul, donc je vais la faire avec Marcus. Salut Marcus. Hello everybody, hello monsieur Capmat, comment ça va bien? Vous allez bien aussi? I'm fine, c'est cool. Very, very good, big boy, ce sera notre mission successive. Alors, on a un peu galéré, bien entendu, hein, c'est toujours compliqué. Chargé des éléments de voie ferrée, voilà. Impératif que vous fassiez, je vais vous mettre la carte. Impératif, bien entendu, tu t'arrêtes un peu, camion, merci. Je vais vous mettre en grand, pof, je mets la carte. Impératif de faire avec cette entreprise ici, American Airlines. Donc, soit vous prenez des convois, enfin des remorques ici, vous les emmenez à quelque part, et n'importe où, soit de n'importe où, vous venez ici pour livrer. Vous avez trois marchandises à livrer. On va commencer, nous, avec les portions de voie qu'on appelle les éléments de voie ferrée. Donc, n'hésitez pas à faire tourner l'émission, hein, c'est toujours compliqué de les avoir. La génération d'émissions n'est pas instantanée. Dans l'idée, mais bon, voilà, c'est pas Excusez-moi mal. Excusez-moi de vous interrompre, oui. Monsieur Carpat, nous faisons pas les portions de voix, nous faisons les bogies. Bah, c'est les bogies, voilà. Donc il y aura les portions de voix et les bogies. Donc on est en train de faire les bogies. Le mec, il a rien compris. Hein, il organise le truc, hein, vachement bien. Hein, vous le voyez, hein, il fait le big boy, mais il est tout petit. Donc on va partir. Donc on fait comme d'hab. Voilà, vous avez Marcus qui est en train de vous faire voir ses éléments de bogies, hein, les roues des trains, bien entendu. On va partir un peu, je crois qu'on a 280 miles à faire, je ne sais pas où on livre, en tout cas on va suivre ce que nous dit le GPS, et puis ben, comme d'hab, voilà, on prend la mission, dès qu'on arrive on la valide ensemble, puis nous on va faire la route en off avec Marcus. Voilà, on en profite aussi, on s'excuse pour le dernier épisode, malheureusement on a eu un petit problème de son sur la deuxième partie de la vidéo. J'ai oublié de brancher les micros. En tout cas, nous, on s'entendait bien avec Marcus, il n'y avait pas de problème. Hein, il n'y a pas de problème, hein, very sorry. Voilà. Donc voilà, en tout cas, on a pu valider l'autre succès qui était mineur, majeur, qu'on a pu terminer aussi sur, c'était le Montana de mémoire, alors que là, maintenant, on est dans le Wyoming. Eh bien, écoute, mon cher Marcus, let's go. On y va, Let's go to drive. Allez, let's go to drive. On se met en route, les amis, puis on vous retrouve dès qu'on arrive sur place. À tout de suite. À tout à l'heure. Tournez à gauche. Allez, on vous retrouve pour la fin de cette livraison. Alors, là, je vous dis pas, hein, moi, elle a été un petit peu compliquée cette livraison. Je me suis renversé. Trois fois. Voilà, donc j'ai trois fois que j'ai recommencé. Je sais pas pourquoi, ça ne tient pas. Je suis pas en forme, on va dire ça. C'est pas moi, c'est bien tenu, c'est je comprends pas. Bon, c'est pas grave, en tout cas. On va arriver, on va livrer ces bogies. Ça y est, je sais que c'est des bogies maintenant déjà, c'est pas mal. Tenez la droite, puis tournez à droite. Allez. Pendant ce temps, Marcus, lui, l'a déjà livré. Il essaie de trouver tout de suite un nouveau chargement parce qu'on a vu que c'était compliqué. Et ben voilà, je vais verser. Putain, mais c'est pas possible! J'ai encore versé. Incroyable. C'est une remorque basse, donc avec un centre de gravité assez bas, normalement. C'est incroyable. Bizarre, hein? Et ben on est parti pour une sauvegarde, encore une fois. Je pense que je vais tatatawin, comme d'habitude. Je ne comprends pas. Alors, je comprends pas, je roule peut-être trop vite, hein, bien entendu. J'ai roulé à 100 tout le long. Ça va, je suis pas très loin, heureusement. Je suis juste bizarre, ici. C'est bizarre. T'as pas un déréglage des trucs, t'as pas déréglé ton bazar. Non, j'ai rien touché. Je sais bien, mais c'est moi. Non, mais je pense il m'avait modifié mes réglages de netteté de trapèze, de caméra, sans rien que je.
Ouais, mais il n'y a pas une mise à jour, il n'y a eu, rien eu, donc il n'y a pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors après, j'ai changé de camion, donc est-ce que le camion que j'ai pris est moins stable que les autres? Ah, ça change. Ah, bon, dans Freightliner, on en avait pris un à un moment donné, tous les deux, là. Bon, bah, regarde. Et on t'avait été où? Boum. Et je l'ai rattrapé, et j'ai failli encore verser dans le virage. C'est incroyable. C'est incroyable. T'as pris ton virage à combien? Ah, je sais pas, j'ai pas radé, mais bon, peut-être trop vite, c'est ce que je te dis, c'est peut-être trop vite. Ouais, bizarre. Vous êtes arrivé. Oh, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Je la pose où cette remorque là? Ah, mais faut aller dans le bâtiment à l'intérieur? Oui, moi il m'avait fait déposer à l'intérieur. Merde, c'est où? Oui, mais où? J'ai quitté le convoi pour chercher un truc. Hein. Ouais, vas-y, vas-y, pas de soucis. Bon, allez, c'est validé. Pouh, tant bien que mal. T'as bien fait 1 sur 3, c'est bon? Je vais vérifier. Oui, c'est bon. 1 sur 3 pour le Big Boy. On est au moins bon là-dessus. Eh bah, c'est chaud, les amis. La fête des bogies, c'est déjà pas mal. Ouais, allez, on va voir. Est-ce qu'on nous propose aussi autre chose? Je vais tout de suite, moi, vérifier sur les offres de traction. Donc, on a dit quoi? Bogie, c'est fait. Donc, je vais chercher sous la bourreuse. Tiens. Bourreuse, bourreuse, bourreuse. Il n'y en a pas. Je pense que ça va être le plus chiant à trouver, bien entendu. Élément de voie ferrée, je n'en ai pas non plus. Bon, ben voilà, c'est réglé. Si on va à Cheyenne, à American Line, ça marche. Ouais, ça marche dans les deux sens. J'ai élément de voie ferrée de 253 miles. Bah, 85, c'est pas mal. C'est pas. Pas on part de Pueblo, on va à Cheyenne, American Line. Pueblo? Ouais. Ok, donc. Colorado. Il faut se. Denver, Colorado Springs, Pueblo en dessous. 253 miles, ça va? Ouais, attends, c'est au Pueblo. En dessous de Denver, en dessous de Colorado Springs. Ouais, en dessous. Ça fait une petite trotte quand même. Hein. Ouais, bah 253 miles. Mm-hmm. Et on va chez qui? Bah on va chez Cheyenne, American Line. Ouais, mais on prend le chargement où? On prend le chargement à Astil. Ah putain, il veut pas que j'y aille. Bon Dieu, forcément, je suis tout cassé. Après, je peux essayer de chercher autre chose de... Bah écoute, non, on va la faire. Parce que c'est déjà très compliqué à les avoir. On va pas chipoter si on les a. Hein. Après, tu peux regarder toi ton côté, c'est quelque chose de plus. Je viens de regarder, j'avais rien. D'accord. Rien du tout. Donc, autant y aller avec plaisir. Voilà, ouais, écoute, je vais même aller. Allez, direction son Pueblo. On va récupérer ça à la Syrie, donc le mieux c'est... Mais il n'y a pas de garage, donc on n'a pas le choix. Hein. Putain, mais le con, il est chiant. C'est, les amis, je vous dis pas, aujourd'hui c'est une horreur cette vidéo, je suis à côté de tout ce qui va bien. Mais non, il me faut quoi, de l'essence? Il ne veut pas que je me voyage parce que j'ai pas d'essence. Et oui, je suis en réserve. Ah bon Dieu, la totale aujourd'hui. Tu vois, c'est un truc que je savais pas, ça. La totale, je suis grâce à CapMat, on apprend des choses. La totale de chez la totale. Aïe aïe aïe. Nous avons appris aujourd'hui quand il est dans la réserve d'essence, il refuse la téléportation. Eh ben oui, forcément. C'est pas très cool. Non, mais aujourd'hui ce n'est pas très cool. Alléluia, j'ai voyagé. Après 3-4 renversements. Alors, hop, tac, tac. Pueblo. Alors, tu me dis qu'il fallait à la Syrie? Ouais, au sud. Astil. Au sud de Pueblo. Au sud de Pueblo. Une trentaine de miles de miles à faire. C'est rapide, c'est facile. Putain. C'est cool. Donc, aller au sud, tu dis. Où au sud? Si tu vois que ça verse Astide, ouais, ok. Si tu vois que ça verse encore, tu changes de camion. Hein. Je suis à vide là, ça devrait le faire, hein, non? Tournez à droite. Putain, hein, en fait, je cartonne tout ce qui a cartonné, moi, dans le jeu là pour l'instant. C'est pas mal. Dès qu'il y a moi, y'a personne, donc ça va encore. Hein. Ça va peut-être pas tarder, mais moi, y'a personne. Allez tout droit.
tenez la droite, puis tournez à droite. Tournez à droite. Bon allez, on va vite aller chercher cette cargaison. Tenez la gauche. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Tournez à droite, puis tournez à droite. Tournez à droite. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Allez, on n'est pas loin d'arriver. Je remettrai le mode convoi en arrivant. Enfin, nous y voilà. Tu peux en mettre quand tu veux, quand tu arrives, tranquille. J'ai pris la route. Ok. Allez dire, tu peux arriver à fond, je t'ouvre la barrière, mais on n'est pas en convoi, je suis con. Non, pas possible. T'allais arriver, pont dans la barrière. Y'a pas de barrière? Ben, à l'entrée du machin, si, y'a un truc qui est automatique. Tu m'as dit, c'est la Syrie. C'est pas là? Astil. Ah, c'est Astil la boîte, d'accord. Astil. Ouais, c'est en face de la Syrie, pardon. Oui, du coup, moi j'avais mis l'icône assez loin, ils sont confondus, j'ai cru que c'était la même boîte, mais non, pardon, c'est pas la même boîte. Ah, ouais, ok. C'est en face, pardon. Oui. Pas de souci. Hop, convoi. Si tu veux, t'as un petit passage à dévoiler. Au sud, si tu ne l'as pas déjà fait. Ben, c'est à toi de te reconnecter au convoi, moi il y est toujours. Ah pardon, t'es pas sorti du convoi? Bah non. D'accord, il risquait pas de te proposer des... Bah non. Ça roule. Allez, je vais attendre qu'il t'arrive pour récupérer ça. Allez, c'est bon. Il est temps d'aller travailler. Allez, les portions de voie sont là. Pareil, on les récupère, on se met en route. Il est temps de prendre la route. Allez, je les ai récupérés, c'est bon. Parfait, je te maintiens la barrière ouverte, tu peux passer. Ouais, je vais essayer de pas verser. T'as un trajet à découvrir si tu veux sur la gauche un peu plus loin. Découvrir sur la gauche. Tournez à droite. Je te mets ma carte. Tu vois, sur la gauche un peu plus loin. Ah ouais. Je sais pas si tu l'as pas déjà fait celui-là. A priori non. Ça rallonge un peu. Que tu vas atterrir vers... Ouais, non, mais je ferai une autre fois. Ouais, ça marche. Pas de soucis. Allez, on est reparti. Donc voilà, j'ai cette fois les portions de voie, les éléments de voie, direction Cheyenne American Line. C'est tout bon, c'est dans la boîte et on se retrouve là-bas pour la livraison. A tout de suite, les amis. Allez, à tout de suite. Tenez la droite. Allez les amis, on est en train d'arriver avec Marcus. C'est bonne nouvelle, je me suis pas renversé encore. Tournez à droite. On va essayer que ce soit le cas. Ah! Tenez la droite, puis continuez tout droit. Et ben voilà, non. J'ai versé. Ne me dis pas.
Putain, mais je passe à la même vitesse que toi, c'est... Eh ben c'est ton camion Freightliner qui doit avoir... C'est peut-être pas le... Et attends, tiens-toi bien, le jeu a crashé. Carrément, j'ai plus de jeu. Bon allez les amis, je recharge, je vous retrouve, à tout de suite. Il m'a dit, il m'a demandé si je voulais garder la sauve là. J'ai dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça a coupé. Bon, allez, je relance en tout cas. Vas-y. Bon allez, je suis à nouveau normalement arrivé. Alors on va aller doucement dans ce virage, vous voyez, hein, parce que je vais passer à 30 parce que là du coup à 28. Tenez la droite. C'est, je sens que ça veut verser en tout cas. Bon, je suis passé. On va se concentrer sur le prochain virage. Pendant ce temps, Marcus essaye de chercher la bourreuse. J'ai pas de bourreuse, hein. J'ai pas de bourreuse. J'ai même pas de capot. Je regarde capot au cas où. Ah, pas non plus. Hein. Enfin, j'ai des boueuses, mais qui ne vont pas à Cheyenne, à American, machin. Allez, on va arriver pour livrer. Et puis nous aussi, on va se mettre en recherche de la bourreuse. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. C'est terminé. Ah, des capots de bus, il y en a 10 quand même. En compte Même 11 propositions de capot de bus, mais pas un. Moi, ça me valide le 2 pour le Big Boy. Impeccable. Tiens, on va faire offre de fret, on sait jamais. Putain, le con, il me propose des éléments de voie, je viens de les livrer. Ben ouais. Et pour aller à Gillette, ça, bizarre. Et en contrat externe, au cas où. Qu'est-ce qu'il me propose? Ah, elle était pas loin, hein, la bourreuse, peut-être. Non, il n'y en a pas. Bon, allez, c'est réglé. Du coup, je vais regarder moi si j'en trouve aussi de mon côté. Putain, il m'en propose même pas une seule, donc c'est réglé. Bon, allez, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, les amis, pareil, hein, je coupe tranquillement et puis on vous retrouve dès qu'on a trouvé la brose et puis on fait le trajet comme d'hab. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Bon, allez, on est reparti. Ça y est, on a enfin la bourreuse. Alors, les amis, on va faire simple. Hein. Armez-vous de patience hein, pour trouver les bonnes remorques. C'est quand même long, compliqué. Marcus a trouvé, c'est un professionnel, heureusement. Voilà. Alors, on peut dire ça. Alors, petite tactique. Et j'ai chargé quand même 5 fois le bazar avant de trouver encore. Pas petite tactique, je ne sais pas si vous le savez ou pas. Justement, pour pouvoir trouver qu'on voit ce que vous faites avant de vous reposer, vous sauvegardez. Et comme ça, vous dormez et vous regardez les convois qu'il y a. S'il n'y a pas ce qu'il vous faut, ben, vous rechargez votre partie et vous redormez et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on arrive à se débrouiller un petit peu, hein, Marcus. C'est ça. On sauvegarde bien avant le premier repos. De manière à toujours avoir au moins 3 chargements. Au minimum 2 en tout cas. Voilà. Faire 2 de repos, voire 3, 6, plus. Alors moi. Attention de pas verser. Marcus m'a lancé le défi de verser avec ça. Je vais quand même pas essayer de le faire. Ça serait dommage. T'as vu les usines sur la gauche là-bas, ouais, ça fumait. Ouais, ça fumait. Sympa, c'est peut-être c'est nouveau ça, je pense. Hein. C'est la 1.5 ça, ça y était pas avant. Allez tout. Les camions qui versent aussi, ça a 1.5 ? Sûrement. Ça va être sûrement ça. C'est pour ça. C'est sûrement ça en tout cas. Bon, allez, tac, ça c'est ok. Alors, on va se mettre en route. Alors, tout droit, voilà. Et ben, on va faire comme d'habitude. Hein. On fait le petit trajet, puis on vous reprend à l'arrivée. À tout de suite, les amis. À tout de suite. Attention en tournant, monsieur Capman. Bon allez, nous voilà normalement à la fin de ce succès, c'est-à-dire le succès Big Boy sur Steam. Voilà, moi j'approche du...
du lieu de livraison finale pour valider ça. Mais que vous dire les amis, bon, on va dire que c'était plus que laborieux. Alors moi j'ai été très laborieux, c'est clair, j'ai fait un peu n'importe quoi aujourd'hui. Ça m'arrive de temps en temps, mais alors là c'était vraiment le summum. J'ai beaucoup passé de temps sur le toit, hein, grosso modo, on peut le dire comme ça, hein, Marcus. Un peu ça, ouais, un peu ça. Ça a passé pas mal de temps sur le toit. Et je me suis pris un beau poteau aussi, hein. J'ai voulu couper, ça n'a pas coupé du tout, et le poteau a accroché la carriole. Et je pouvais plus bouger, il a fallu que je recharge la partie aussi. C'était pas mal non plus. Voilà, en tout cas, on arrive, on livre. Bon, alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est le même trajet que tout à l'heure, hein, où on a livré les bogies. C'est fou, hein, la gestion qui est faite là-dessus. Calcul d'un nouvel itinéraire en cours. Allez, on s'arrête. Hop, on va choisir. Normalement, ça a dû valider le truc. Pourquoi je m'arrête là? J'ai pas à m'arrêter, moi je suis con, faut que je le pose direct. Alors attendez, il y a un truc qui va pas. Non mais c'est pas possible. Je pense qu'il faut que j'arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je te dis, il faut que je valide au même endroit, c'est la même boîte que tout à l'heure. Ouais, ça n'a pas changé, ouais. Pas du tout. Eh ben. Ce n'est pas la même boîte. Ah, c'est pas la même, d'accord, bah c'est une autre alors. Eh bah cool. Oui, donc je suis pas au bon endroit, putain, c'est pas possible. Ah bah oui, d'accord, forcément tu risques pas de valider alors. Ah, pourquoi ça veut pas faire? Voilà, donc je repars. Bah c'est une petite carriole de comme tout à l'heure, ça irait bien, mais là c'est un peu long peut-être. Ouais, non, c'est bon, j'ai pu tourner. Pff, oh là là. Ouf. Mes enfants, que c'est dur aujourd'hui, que c'est dur. Alors, du coup, j'y aille où? Hello boy. Attends, mais ce n'est pas chez nous qu'il faut livrer, boy. Je peux livrer, bah, allez, je vais passer par là, je vais pas faire du tour terrain. Pourquoi vous êtes venu chez nous? C'est pas chez nous qu'il faut livrer. J'étais chez Steelers, il faut aller chez Johnson. Johnson et Smith, c'est ça. Continuez tout droit. Ouais. Fatigué, hein. Allez tout droit. C'est temps que ça se termine. Toi, allez, va pas me couper la route. Tenez la droite. Non, attends, je trouverai un nouvel itinéraire. Qu'est-ce qu'il me fait là? Mais il compte ce GPS là. Je passe devant et il me dit rien. Et je me fais faire le grand tour. Faut que j'aille là. Bah oui, bah il sait que tu veux jaunifier, tu l'as mis en programmation jaunification. Non mais j'ai déjà tout jaunifié normalement ici, nom de Dieu. Mais il est pas sûr ici, on sait jamais. Putain, c'est pas vrai. Bon allez, on passe par là. Un jour je la livrerai cette bourreuse, un jour. Un jour c'est bon. Mais t'as livré? Ou t'es en train de t'arriver, bon, toi? Mais j'arrive là, je suis juste à côté. Non mais c'est ce que j'allais dire, il va livrer avant moi Marcus à cette allure. Non, quand même pas. Bah, c'est. Ouais. Ah, il est en train de passer sur le pont, toi. Allez, c'est bon. Voilà. Nous y sommes. Ah, bah oui, ça nous y sommes. Merci, ça y est, sauf. Oui, tu fais bien de me le dire. Ouh, aïe. Allez, on décharge, on valide le Big Boy. Allez, ce Big Boy, c'est validé, impeccable. Parfait, un de plus. Ouh, allez, un succès de plus, mais croyez-moi, celui-là, j'ai transpiré, j'ai eu chaud, j'en peux plus. C'est ça a été très compliqué. On va attendre que Marcus, lui aussi, puisse livrer là-dessus. Donc ça, c'était Big Boy. Alors après, on va réfléchir à ce qu'on va vous faire la prochaine fois. Moi, je voulais rester un petit peu dans le Colorado. Parfait. Alors le petit souci, on pourra jeter un petit coup d'œil. Je vais déjà regarder. Donc on est au Wyoming, non? Pourquoi je dis oui, on est au Wyoming, n'importe quoi, Colorado. Je suis à l'ouest, hein, j'ai besoin de repos. Cher ami, merci, au revoir, on va. Reposer. Il y a Buffalo Bill normalement à faire sur le Wyoming. Alors là, c'est compliqué, hein. Terminer 10 livraisons parfaites de bovins, aucun dégât, aucune amende et à l'heure, aux ventes aux enchères du bétail du Wyoming. Et la règle étant simple, c'est qu'on ne peut valider
que sur les entreprises Bushnell et uniquement à Riverton et Sheridan. Donc autant vous dire que là aussi, bah, c'est pas simple. Si je m'amuse déjà à chercher dans les offres de traction, il y en a pas. Vous cherchez des bovins, on va regarder si on a des bovins, nous. Bovins, a priori, j'en ai. Voilà. Donc on cherche les Bushnell, ouais. Hop, ça, ça marche pas. Ça, ça marche pas. Ça, ça marche pas. Ça, ça marche pas. Ici, qu'est-ce que j'ai d'autre? Billing, voilà. On cherche quoi, des Bushnell? Ouais, Bushnell. Il faut aller à Bushnell et uniquement livrer à Riverton et Sheridan. Riverton et Sheridan. J'en ai pas. Ah oui, c'est super compliqué à trouver en tout cas. On va peut-être laisser tomber celui-là, non? Ouais, on verra, on le fera peut-être en off, on verra. Enfin, les capots de bus, ça en fait 10 à faire, hein, donc il y a de quoi faire au niveau des bovins hein, là-dessus. Bon, en tout cas, nous on va clôturer là-dessus, je vais essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ce qu'on a enregistré, parce qu'il y en a un petit peu de partout. Je ne sais pas combien de temps on va faire la vidéo, en plus, sans aucune idée. Ce sera la surprise, tout simplement. En tout cas, on vous remercie. Merci Marcus d'avoir supporté mes cabrioles. Pas de soucis, c'est cool. Voilà, ça l'amuse, lui, hein, quand je fais les cabrioles, bien entendu. Ouais, c'est marrant, ah, c'est rigolo, c'est un jeu. Hein. Et puis, du coup, n'hésitez pas, le petit pouce bleu vers le haut, ça fait plaisir. Et puis, on se retrouve bientôt pour la suite. On verra si on est au Wyoming ou au Colorado. Enfin, je vais essayer de bien me réveiller pour que ce soit un peu plus efficace. Et puis, on fera ça la prochaine fois. Bye bye à tous, salut. Merci, monsieur Capin, pour l'invitation. Merci pour ce magnifique rodéo au Far West. C'était magnifique. Une très bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Allez, bye bye.